Huh? Soi-même, pas vrai? Vous entendez quelque chose? On a un souci! N'est pas pratique pour courir. Je vous rattraperai. Il est trop vieux pour courir comme ça. Oh. Ubel serait fier de ce que nous allons accomplir. Vous avez plus d'expérience que nous au combat. Comment devons-nous faire? Attendez-là, je vais m'en charger. Vous devez avoir très confiance en vous, comme vous voulez. Nous attendrons que vous les ayez presque tous tués.
Oh, vas-y. Neuf, chef. Nous parlerons dans un instant. D'abord, je dois m'adresser aux fidèles. Tula ! Non ! Pas Tula ! Je suis le rayon. L'agent et le peuple nous supportent. Aujourd'hui, nous avons livré une grande bataille. Une bataille que nous n'aurions jamais pu gagner sans notre ami. Mais le prix à payer fut élevé. Nous allons pleurer la mort de Tula. Qu'elle se joigne à nous avec le Père Ciel. Mais notre travail n'est pas encore terminé. Avoir récupéré le vaisseau n'est pas suffisant. Nous devons le réparer pour qu'il puisse voler à nouveau. Il faut le préparer pour qu'il nous mène jusqu'à notre destinée. Bientôt, vous recevrez la plus grande récompense que l'ubologie puisse offrir. En attendant, reposez-vous et faites la fête. Vous l'avez mérité. Pardon. Quelle bataille glorieuse. Votre attitude a été splendide. Dommage pour Tula. Elle est morte très jeune, avant d'avoir pu trouver son vrai potentiel grâce à l'ubologie. Je vous ai promis un paiement. Cette arme nous vient du Bel, en personne. Prenez-en soin. J'ai encore besoin de votre aide. J'aimerais remettre ce vaisseau spatial en état de marche.
Mais nous n'avons pas de réacteur à fusion. Si vous réussissez, je vous donnerai des munitions pour l'arme du Ben. Pourquoi voulez-vous réparer ce vaisseau ? Il nous ramènera chez nous. Je ne peux pas vous en dire plus. Vos traitements ne sont pas assez avancés. Je me ferai un plaisir de vous aider. Bien. Une fois que vous l'aurez mis en route, nous pourrons le préparer pour l'espace. Joli. Génial. Lumière. C'est incroyable. Vous avez réussi. Tout le monde dans le vaisseau. Nous devons tester le système. Entrez avec nous et mettez-le en route. Vous verrez que la prophétie du Bel est vraie. Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps. Voir le vaisseau spatial fonctionner. Quelque chose cloche. Éteignez-le. Éteignez-le. Faut toujours prendre tout ce qu'on trouve, si possible.
ça, c'est dégueu. C'est bon. Ça y est. C'est pas une petite serrure qui va empêcher le grand Manitou de se servir.
crois qu'il faut se battre. Nous aimons à répéter qu'il n'y a pas de vrai patron ici, et que seul compte l'amusement du public. Tout le coin est infesté de vers de sang et de trucs qui doivent être pires encore. Ce n'est pas sûr. Vous devez parler de ces bons à rien, de hors-la-loi planqués dans la mine de Mulligan le cinglé. Eh bien, partenaire, si ça vous tente de me donner un coup de main, je manque justement d'adjoint en ce moment. Qu'est-ce que vous en dites ? Tout ce charabia n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Analyse. Personne inquiète ou plongé dans la confusion. Aucune inquiétude. Je suis juste un protectron amical de Nuka-Cola, programmé pour votre amusement dans le parc. Nos personnalités amicales de cow-boy vous guideront, vous et vos proches, au fil de multiples activités amusantes sur le thème du Far West. J'imagine que je peux bien passer un peu de temps à ramener la loi et l'ordre dans le coin. Très bien, shérif. Vous l'avez, votre adjoint. La porte de la mine de Mulligan le cinglé est fermée à clé. Il se trouve que la clé en question, j'en ai un exemplaire dans le coffre du théâtre. Mais le problème, c'est que j'ai oublié la combinaison pour l'ouvrir. Vous allez devoir vous adresser à mes trois amigos. Doc Phosphate, Ike le Borgne et Kid Hu Dada. Prouvez-leur que vous êtes de taille à affronter les hors-la-loi et ils vous donneront chacun une partie de la combinaison. Bonne chance. Et n'oubliez surtout pas votre uniforme d'adjoint du shérif, offert par Nuka-Cola. Sur tout ce qu'on trouve seul. Alors, comme ça, c'est vous que le shérif a choisi comme adjoint. Je ne suis pas impressionné. Voyons à quelle vitesse vous dégainez votre six coups. Les règles sont simples. On marche tous les deux dans la rue. Je compte jusqu'à trois. Et quand je dis dégainer, le premier qui touche l'autre a gagné. C'est qu'il faut que je fasse vite. On pourrait pas dire que j'ai gagné ?
Personne ne t'en voudra, Nuka-Cola. C'est promis. Le parc est tellement bondé aujourd'hui que j'imagine que nous pouvons faire une exception juste pour cette fois. Regardez. Vous savez ce qu'il vous faut? Une bonne bouteille de Nuka-Cola White. La boisson au goût de racine qui défrise. L'hospitalité, ce n'est pas... Suite à un malentendu dans l'usine de recyclage des déchets animaliers de l'aventure Safari, aucun jus de pomme ne sera servi ce soir au grill de poisson 4 feuilles. Une à l'étage et les deux autres en ville. Ça vous dit? J'ai déjà apporté les commandes à tous les clients, vous ne vous souvenez pas? Vous m'avez même dit que j'avais fait de l'excellent boulot, partenaire. C'est vrai que c'est le genre de choses que je dis. Très bien. Voici ma partie de la combinaison du coffre. Occupez-vous de ces méchants hors-la-loi, shérif adjoint. Ah, Dieu soit loué. Notre nouveau shérif adjoint. Vous devez absolument m'aider. Tout mon troupeau de soldats est disponible au guichet Royaume-Uni. J'ai pas vraiment envie de faire ça. On pourrait passer directement à la suite? S'il te plaît. J'imagine qu'il n'y a aucun mal à cela. Très bien. Voilà la troisième partie de la combinaison du coffre. Là, on touche vraiment le fond. Caleb a trouvé un nouveau moyen de nous torturer avec sa façon de jouer ridicule. D'abord, il s'est mis à boire, pour de vrai. Et je dois bien reconnaître qu'au début, c'était marrant. Mais maintenant, il refuse de se laver. Et je crois pas que quelqu'un ait autant pué que lui dans toute l'histoire de l'humanité. Non mais, sérieux quoi. Il joue le poivre local dans un spectacle pour enfants du Far West. On n'est pas à Hollywood. Si vous cherchez une façon rafraîchissante de tenir le coup toute la journée, essayez le Nuka-Cola Dark. Le même goût délicieux de cola avec un zeste d'alcool. C'est bloqué de l'autre côté.
fait un truc pour vous, si vous voulez. Joli. C'est bon.
Génial. Le meilleur choix. Cher parent, si vous cherchez... Qu'est-ce qui se passe? La journée. Alors, c'était chouette, la mine de Mulligan de Cinglet. Vous avez aimé vous bagarrer contre les méchants hors la loi. Cette mine servait de nid à une reine des vers de sang. La région devrait être plus sûre maintenant qu'elle est morte. Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous me racontez. Mais ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas d'adjoint aussi efficace à l'ouest du Mississippi. Tenez, voilà quelques capsules souvenirs offertes par le service d'entretien de Nuka-Cola. Revenez à Dry Rock Gulch quand vous voudrez, vos amis et vous. Petite soif.